de scène qui va prendre place. Le scène de scène de Vinicius, il s'appelle le FKA de Sébastien en rouge. Et Mathieu Agio en bleu. Marseille en bleu. Vénitieux en rouge. En place, messieurs, la revanche de la Coupe de France du week-end dernier. Et tout de suite, les techniques de Jean-Dibart, très vite, pour Mathieu
qui prend le dessus avec 3 points. Beaucoup d'agressivité. Accrochage. Bonne technique, réussite. Attention au départ de Mathieu qui prend le point. Les arbitres à l'unanimité. Qui prend un pion et donc qui mène 4 pions à 0. Bon démarrage en face. Bonne réaction, attention, projection. Technique avortée. Il faut aller chercher les pions dans le côté rouge. Tout est à faire. Attention aux accrochages qui sont tolérés, mais pas trop longtemps. Bonne vitesse de démarrage du point bleu. Le rouge un peu pacifiste doit réagir pour remonter au score. Et il réagit effectivement avec une technique au corps. Il passe en dessous de la garde du bleu. Point, ce qui le mène à 1 contre 4. Bon démarrage, les techniques avortées, bloquées. N'hésitez pas à les encourager. Et bon démarrage du rouge. Attention, la touche est légèrement autorisée avec un contrôle absolu et pas de blessure. La touche est un petit peu appuyée et on est sanctionné du côté rouge. Ça démarre automatiquement avec une frappe au corps qui va comptabiliser 2 points de plus pour le bleu, le Marseillais qui mène maintenant 6 à 1 et qui maintient le score. Il maintient le score, tout reste à faire pour Vénitieux. 6 points à 1, je le rappelle, pour le Marseillais en bleu. Allez, bon crochet, bon balayage, suivi. Et ça fait 9 points à 1, ce qui fait effectivement 8 points d'écart. Et donc la victoire à Marseille et le Full Karaté Academy qui remporte sa première victoire face au club de Vénitieux. Toujours le respect et le salut des compétiteurs. Je le rappelle, premier combat remporté par Marseille. Attention, on passe le témoin à ceux qui viennent derrière. Deuxième combat. Sylvain Vautin du Seine-de-Seine en rouge. Vous pouvez l'applaudir. Face à Monsieur Dato Fabrice du FKA. Figurez-vous que dans l'année sportive, ils se sont rencontrés 4 fois et ils sont à 2 victoires chacun. Donc autant vous dire que la tension est à son comble et qu'ils vont avoir à cœur de faire la différence sur cette rencontre. Ils se saluent, le respect, Marseille contre Lyon, FKA contre Seine-de-Seine. Et c'est parti pour 2 minutes. Attention, aucune technique. Attention, petite touche au visage, l'arbitre contrôle, aucune technique n'a été comptabilisée. Le combat continue. 0-0. On feint, on essaie d'attaquer et on contre du côté du Seine-de-Seine et on marque le premier point qui est souvent décisif. Point du côté du Seine-de-Seine, 1-0. Le Marseillais va remonter au score. Il essaye le contrôle. Non, aucune technique de marquer. On se remet en place, on écoute les conseils du coach et on se prépare à l'action suivante. Attention, alerte pour accrochage irrégulier pour le Marseillais qui perd d'un point pour l'instant. Tout reste à faire. On s'observe. Et le démarrage fulgurant du 7-7. Par contre, il y a eu un contact, la technique n'a pas été maîtrisée. Et la touche a été de plein fouet au niveau du visage. Heureusement que les protections sont bien adaptées.
les blessures ne sont jamais très très graves au karaté. C'est pour ça que l'on est très sévère sur les touches. Beaucoup de respect à l'athlète du Seine-Océane de s'excuser auprès du karaté de lui. Et il prend une pénalité contre lui. Il mène quand même 1-0 face au Marseillais qui vient de remonter au score avec une technique de point au visage qui est comptabilisée puisqu'elle était bien contrôlée. Un point partout entre le Marseillais et le Lyonnais. Le combat continue. Égalité parfaite. Bonne esquive. Technique de Jean. On essaie de se diversifier. Et oui, un contre du Marseillais. Apparemment, les arbitres ne sont pas d'accord. L'arbitre central donne la décision. Rouge qui vient de marquer à nouveau 2 points, 3 points à 1 du côté rouge. C'est Vinicius qui mène dans ce combat et c'est Marseille qui arrive et c'est encore Vinicius qui contre et non l'arbitre central en décide autrement. Il redemande à ses arbitres de chaise qui confirme sa décision, qui n'avait pas vu la technique, et c'est le Marseillais qui remonte après le score. 3-0. Encore une touche au visage, attention, attention à la touche. Elle n'est pas tolérée. On vous le rappelle, il faut la maîtrise de la technique. Le contact apparemment n'a pas été. Si, il est sanctionné. L'arbitre central en décide autrement. On sanctionne le rouge et on donne le point au bleu. Attention au bleu qui ne se protège pas et qui prend effectivement un avertissement qui compte un point. À Lyon, on se réveille et on marque 2 points d'un coup grâce à cette technique de Jean Aucor, ce qui remonte à 6-5, très accroché. Non, 6 partout, ça exactement. Le score est parfait d'égalité toujours. Il reste 30 secondes, 30 secondes, tout reste à faire. 6 points partout. Qui va prendre la décision? Et c'est le rouge qui a pris l'initiative. Initiative fructueuse et qui mène de 7 points à 1, 7 points à 6, pardon. Ce combat nous réserve vraiment énormément de belles surprises. Et Fabrice qui remonte au score, 7 partout, il reste plus de quelques secondes. Qui va prendre l'avantage? Tentative encore avortée de Fabrice, tandis que Sylvain a marqué le tour qui fait la différence. 8-7 pour Lyon. Attention, c'est parti. Fabrice qui tente le tout pour le tout, mais qui se fait contrer. Et qui gagne 9-7. Il reste quelques secondes, 12 secondes. Attention. 9-7 pour Lyon. Et 10-7. 3 points accumulés pour Fabrice. Va-t-il réussir? Il tente le tout pour le tout dans les 5 dernières secondes. Il faut 3 points et non, il n'a qu'un point déjà, apparemment. L'arbitre central donne le point à Fabrice du FK qui remonte un peu. 9-8. 18 très exactement. Et c'est la fin du temps réglementaire. Et c'est la victoire de Seine-Océane qui gagne ce deuxième combat très disputé entre ces deux adversaires très malheureux. Pour le FKA, Diego Van Dijk. Et pour le Seine-Océane, Lamine Kamla. Pour s'affronter pour ce troisième combat, je rappelle qu'il y a une victoire partout pour l'instant. Score très serré entre les deux équipes. Attention, Diego.
quelques-uns accrochés par la ligne qui ne se laissent pas faire. Attention, ça va très vite. L'avantage marseillais pour l'instant. Attention, la protection de points est partie du côté de Saint-Eusel. On reprend ses esprits. On essaie de s'imposer dans le combat. Tandis que Diego garde cette grâce en pression et réussit une très belle technique de points avec une maîtrise totale au niveau du visage qui lui donne le point 2 points à 0. Toujours 2 points à 0 pour le Marseillais. Et oui, effectivement, dans la contre-attaque, le Marseillais Diego a marqué le pion. 3 points à 0 pour l'instant. L'avantage marseillais, attention à Cochard. Et non, la technique n'est pas autorisée. La projection n'est pas comptabilisée. Accrochage, attention, sortie corps à corps, ça va très vite. Non, la saisie est sanctionnée par l'arbitre. Attention. Et oui, un point contre le Marseillais parce qu'il accroche trop régulièrement son adversaire du Saint-Eusel. Attention à la distance. Tentative de balayage, oui. Et le point a été donné très rapidement. La technique a été suivie. Et il revient au score, le Saint-Eusel. 4-3. Et oui, le 7-7 est devant au score. Il est remonté grâce à cette technique. Toujours 4-3. Pour le 7-7, le Marseillais qui avait l'avantage tout à l'heure vient de se faire passer devant. Il a besoin d'encouragement. Et avec beaucoup de vitesse, il vient d'exploser sur une technique de points au milieu du visage. Et ça le ramène à 4 points partout. Attention. Toujours en sautillant pour être prêt à démarrer, rapide, précis, toujours en pression. Et ça va très vite du côté du Marseillais. Technique de points. Il reste 30 secondes. Le Marseillais prend l'avantage. 5 points à 4. Va-t-il garder le score? Et oui, sur une esquive de corps, il évite la technique du Saint-Eusel. Et le Marseillais vient de monter encore d'un cran. Est passé à 6-5 pendant qu'il ne reste que 15 secondes. Très bon démarrage du côté du Marseillais, mais c'est Rouge qui vient de marquer le point et c'est 6-5 qu'on se rapproche. Il reste 8 secondes. Tout reste à faire, 8 secondes. Et oui, attention. Et oui, c'est le Marseillais. Continue à marquer. 7 points à 5, il reste 2 secondes. 1, et c'est terminé. Et c'est le Marseillais qui prend la victoire. 7 points à 5 dans un combat qui a été livré sans merci. Beaucoup d'engagement, c'est ce combattant, aussi bien du 7-7 que du Foucault Academy. On continue. 2 victoires chez les Marseillais. Une victoire au 7-7. Et maintenant, vont se rencontrer Cédric Uru pour le Full Karaté Academy en bleu face à Nabil Kerfi du 7-7 en rouge. Ils ont tous le niveau national, voire international, tous ces combattants sont les meilleurs du niveau français. Et oui, très beau démarrage du 7-7 de Nabil Kerfi qui prend l'ascendant dans ce combat. 1 point à 0 pour Nabil Kerfi qui reste en pression et qui tente le balayage. L'accrochage, attention aux options. Et oui, le rouge, très bien placé dans le...
le tour à zéro face aux Bleus, face aux Marseillais. Qui peut essayer de remonter au score. Très beau maillage, très beau contact suivi, une technique de points. Et oui, qui vaut 2 points d'un coup. Très bien comptabilisé pour la difficulté de l'enchaînement. Et qui le place à 4 points à 0. Et qui est bien devant le Marseillais, qui tente de remonter au score et qui s'accroche. Et qui vient d'aller chercher le pion qui lui permet de rentrer dans le droit. 4-1 pour le 7-7. Attention, les accrochages. Attention la chute. Et non, le combat est stoppé. Aucune technique n'a été comptabilisée. Ils se donnent à 100%. On peut les encourager, bien sûr. Et ça part très vite. Attention, technique de poing qui touche au visage. Je vous rappelle, ce n'est pas toléré. La maîtrise doit être absolue. Effectivement, on le sanctionne. Et le point du côté marseillais qui remonte un petit peu au score. 4-2. Très bon démarrage du côté de Nabil Karpi. Et qui continue à marquer les points. 5-2. Le seul de ce qui a l'avantage. Et qui tente beaucoup de choses, beaucoup de travail avec les points des gens. Beaucoup de déplacements, ils sont très mobiles, ces combattants. Un très bon démarrage également encore. Avec une belle technique de Yakutsuki au visage pour le camp du 7-7. Attention, cette technique n'est pas comptabilisée, elle n'était pas assez près du visage. Et un beau contre, très beau contre du 7-7. Car le Marseillais se jette un petit peu. Il essaie de remonter au score et il essaie, mais il y arrive aussi tranquillement, mais sûrement. 6 points pour le Saint-Océan, 3 points pour le Marseillais. Tout reste à faire du côté du Full Karate Academy pour revenir au score. 30 secondes, il reste 30 secondes. Et le contre du Saint-Océan, toujours par la même technique de la petite au visage. Le Marseillais se fait surprendre et n'arrive pas à trouver la solution. Avec ce coup de pied d'arrêt magnifique qui remonte un petit peu, ce qui nous fait 7-5. Et le Lyonnais qui vient de marquer 2 pions ici là s'envole sur 9-5 face au Marseillais. Il prend de la distance, il vient de placer une très belle technique de jambe que l'on peut applaudir. Le Marseillais s'est trop livré, il s'est fait surprendre. Effectivement, c'est la fin. Il y a 13-5, donc il y a 8 points d'écart. Il y a victoire du 7-7, on applaudit s'il vous plaît. Victoire du 7-7. On continue. Avec ce dernier combat pour le Full Karate Academy et pour le 7-7. Dans ce tournoi qui affronte les deux meilleurs clubs français, vous avez Julien Baptiste pour le Full Karate Academy et Madi Chérigui pour le 7-7 en rouge. Attention, le combat commence. On essaie le 7-7 pour revenir au score. Technique de jambe avancée bien bloquée par Julien. L'accrochage. Attention, sortie de corps à corps.
Attention aux avertissements pour les accrochages. Trop important. Et le Lyonnais prend un avertissement. Et oui, jolie contre, jolie attaque de Julien qui est talenté, qui a été bloqué par Mehdi Hussein-Hossein. Il faut rester présent dans ce combat. Ça va très très vite. Le Marseillais va très fort. Et oui, très vite, le Marseillais s'est enfermé dans l'angle et Mehdi a tenté sa chance et inévitablement il a marqué. Il rentre dans le combat. Un point partout. Tout reste à faire pour les deux combattants. Le Marseillais est enfermé dans l'angle. Le Lyonnais n'a pas saisi sa chance, mais si. Le Marseillais est parti très vite, mais c'est le Lyonnais qui a contré et qui prend l'avantage dans ce combat. 2-1. Et Julien de Marseille qui se réveille aussi et qui revient au score. Attention au contact. Je vous rappelle la touche tolérée, maîtrisée, mais pas appuyée. Point. Le point va être donné. Et le Marseillais marque le point. De partout. Attention, l'action a été très rapide et ils sont venus au contact. Alors la sanction va tomber. L'arbitre contrôle les protections, contrôle les éventuelles blessures. Je vous rappelle qu'avant tout, on respecte l'intégrité physique du sportif et que ça reste amical. Même si ces combats sont très engagés. Tentative, vous savez, ça peut mettre le Marseillais dans l'angle. Et tentative de Jean-Renaud. Et le Marseillais a la tentative de renforcer l'avantage. Et Julien qui a pris une technique de balayage, qui nous entend plus trop tôt. Et qui nous est à 5 points, à 2. Attention du côté du Vénissier, on essaie de remonter. 5 points à 3 par technique de points. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes et 5 points à 2. Attention à la saisie, sanction pour la saisie. Et le Marseillais qui reste concentré. Le Lyonnais qui va tout faire pour monter au score. Il ne sait plus qu'à le Marseillais. Attention, il a le Marseillais dans l'angle. Et le Marseillais qui contre sur l'attaque du Lyonnais. La technique du Lyonnais n'est pas comptabilisée, mais celle du Marseillais est prise en considération. 6 à 3. Il reste plus 8 secondes. Il reste plus 5 secondes. Attention. Le temps est arrêté, il reste 5 secondes. Le score, 6 du côté de Marseille, 3 et maintenant 4 du côté de 5 secondes. Attention, le contact a été rapide.
la rencontre nous avait réservé de très très beaux combats. Bien engagé. Avant de terminer, je vous demande de vous applaudir les deux équipes. S'il vous plaît, applaudissez les deux équipes pour les grands combats. Sans merci. Et qui ont enfermé le plan des sports. Et la victoire pour le FKA Football Team Academy de Marseille. Grâce aux 7 semaines, 3 victoires à 2, score très serré qui démontre le niveau de ces deux équipes. Les récompenses, bien sûr, pour ce combat vont être remises par nos invités de cette soirée. Il y a monsieur Jean-Marc Thiago, président de l'association ELA du 13 de Marseille, bien sûr. Ici, monsieur Jean-Marc Thiago, qui donne la récompense au deuxième, mais valeureux combattant. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Jean-Marc Thiago, de l'association ELA, qui lutte pour les maladies orphelines, la leucodystrophie. Merci pour ce que vous faites. Merci d'être là. On est content que vous soyez à nos côtés. On pense à vous. J'espère que vous aussi, dans les matins, vous pensez à l'association ELA et que vous avez pris des tickets pour le tirage du sort qui aura lieu à la fin de cette journée qui n'est pas terminée. Vous allez voir. Je remets la récompense. Je remets. Nous remettons, nous, ici, à Marseille, la récompense au Foot Caractère Academy grâce à monsieur Jean-Louis Sandoni, directeur des sports du Conseil Général de Marseille. On applaudit le FK, s'il vous plaît, pour cette victoire. Merci messieurs, prenez place pour la photo. En place pour la photo, s'il vous plaît. Merci de mettre en place pour la photo. En place pour la photo, s'il vous plaît. Face à la, face aux loges.